Mesdames et messieurs, Mbote Nabino, tout ça, na place moko, nangina kutana nande konangai, un journaliste ya Mbokananga, Trésor Kalafai, présentateur et émission Bosolo la politique ya Muninga, nangai lipasa Israël Mutombo. Alors, tu remets un peu sur une affaire, sur une question beaucoup plus importante, déjà question et enseignement. Covid-19 et interrompre enseignement. Sauf dans Madagascar, et là qu'on a maïna bangwana, je vous dis, il a une importance, on s'arrête pas là-bas parce qu'il faut aussi ma classe. Bah, dans ma zone de classe, mais pas dans le bus au Congo, les enfants ne peuvent pas étudier. Certaines écoles, peut-être dans ma province, bah, là, ils vont fongoler, mais on ne sait pas jusque-là est-ce qu'ils vont fongoler ou pas. Mais ici, chez nous, le cas est beaucoup plus frappant parce qu'à Kinshasa, l'école est Kangami. Qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre manière de scolariser nos enfants? Est-ce que tu as apprendre à l'abus? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une année blanche? Que de questions qu'on se pose. C'est pourquoi nous avons eu Trésor Kalafai, au hasard, le dossier dossiers, il y a une application. Tout le monde a deux ou trois, quatre questions pour comprendre un peu comment ça se passe. Mais avant tout, tu as un nom du solo, na Yemoko et puis na Bango. Trésor Kalafai, Mbote, boni. Toujours respecter la distanciation sociale. Toujours respecter. Malade, je crois, 500 cas. Donc, c'est une autre chose à solliciter. Toujours les capables. Est-ce que tu as toujours avancé? Est-ce que tu as stagné? Est-ce que tu as toujours la voie à sortir? Je crois que toujours la voie à sortir, mais il faut aussi la moussa à ma casse. Parce que nous avons toujours compté pratiquement plus de 60 guéris. La mort, je crois, maintenant, 30. Toujours avancé, mais ils ont un point où ils essayent de décrire le rôle à combien de pouvoir confiner en gros. Nous sommes là, éviter, bah désinfecter un combien de temps, mais les lots, bah ça la source, les lots, comment tu bah tout va vendre à la gombe, bah comme ils l'ont là, à tout d'un coup, la provision d'ailleurs, mais après un temps, on a posé un ressort, mais l'eau, on me souffle, bah fongo, les certes, bah supermarché, mais ceux qui m'ont dans la moyenne de transport, pour ma tâtise, à tout d'un coup, autant pour la neige, pas contre le supermarché. Donc, ils ont un bac à moi, Mickey, c'est qu'il a vraiment bon guise, mais. L'équipe secrétariat de riposte, ça n'a pratiquement pas la tête. Je crois que la minute commune qui associe l'intelligence, si on se prend dans la solution. Surtout que la rare à la docteur Mouye, maintenant, il y a un docteur Mouye, un prototype à l'enseignant congolais. On est enseignant depuis à Komaka, chapitre Moko, dans 1980. Si le loi commence, c'était rare à bloquer en route, donc soit à côté, à Bossanico, tout le monde. République démocratique du Congo dans son troisième pays, le plus grand en Afrique, qui était comme un deuxième pour souder Cameroun. Donc, il y a des gens qui ont campé dans la note. Donc, docteur Mouyembe, s'il faut continuer à aller dans le monde, on a tout fait. Il y a le docteur Jérôme Moana, il y a le Vangoulou. Mais le docteur Jérôme, ça y est, il y a une preuve. Docteur Jérôme a vaincu une épidémie morte jusque-là. Parce que vous avez le docteur Mouyembe. Ebola est aussi là, et puis docteur Mouyembe c'est un chevronné dans le dossier. Voilà. Donc, Ebola est là, il y a pratiquement 10 cas. Vous parlez de 10 cas alors qu'on était dans des centaines de cas. Oui, donc il a dit que c'est que si là. Non, mais c'était d'abord, on avait déclaré la fin à Ebola. Oui, dans le mois de janvier. Et puis, alors, tu as la recrudescence, donc c'est 4 mois après. Donc, c'est peut-être une seconde forme épidémique. Non, peut-être que en décembre, il y a eu comme un. Comme on dit, ceux qui ont lobby que le docteur Jérôme n'a pas la preuve, il était mouillé en 78 ans, ça a confiance. Tant que fièvre est bolée pour la première fois, il fallait Moutoumoura Banda quelque part. Non. Oui, mais alors c'est pourquoi que Mouye Mbappé va comparer qualité à l'époque. Alors aujourd'hui, au lieu de comparer Mouye Mbena à docteur Jérôme, alors c'est la nuit et le jour. Nous avons comparé le docteur Mouye Mbena à Jérôme. Le docteur Mouye Mbappé a sali tant d'ailleurs. Il faut le dire, comme on dit, le docteur Jérôme a dit qu'il s'est noté. Tout encore produit, là, nous allons valider dans le niveau OMS. C'est ça aussi le problème. Non, moi je ne parle pas de l'OMS, moi je parle plutôt d'un affaire sur la société. Artemisia et d'après la malaria, disons. C'était pas. Abakissi, quelques éléments. Alors, c'est ça le problème. C'est ce qu'il a à Madagascar, il y a une classe de l'OMS. Je crois que ça preuve. Mais ça n'a pas encore été prouvé. On dit la fin épidémie, non, est prouvée dans les faits. Dans les faits, tout constaté. Parce qu'on ne peut pas déclarer la fin d'une épidémie en deux jours, trois jours. Attendons d'abord un mois, deux mois, tout à ce que c'est ça les matins. Tu peux s'attendre en temps, mais au moins, une combinaison, et ça là déjà, alors s'il faut que tu aies une minute, il y a ça là déjà prévu, ça là déjà prévu, tu dois t'en ébeler. Tu dois t'en ébeler dans le monde, tu vas continuer beaucoup. Moi, je vois que. Ceux qui sont congolais, qui sont sincères, il faut associer l'intelligence et belle. Même autour du docteur Mouyembe, pourquoi rejeter ma proposition de Nero Moussous? Qu'est-ce qu'il va rejeter ma proposition? Non, tout le monde va professeur Ekwalanga. Oyo, si vous voulez, tout le monde va appeler Ekwalanga, ça va prévenir.
Mais il travaille en équipe, c'est normal. Mais non, mais le problème est que, en fait, moi je pense comme toi qu'il faut associer l'intelligence. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi, c'est quand tu penses qu'il faudrait que tu aies Mouyembe de côté, ou bien tu un peu diminuer l'estime de tout le monde. J'estime que Mouyembe était un pilier, c'est un héros dans le domaine Wana. C'est vrai qu'il ne faudrait pas lui laisser toute la charge, parce que Yemoro Mouyembe a reconnu ça, dit que Alembi, il a reconnu que Madame fatigué. Bauti na Ebola, donc ils ont fini rapidement Ebola, la Koutina Corona, sans transition, c'est tout à fait normal que Madame la moi fragilisé et tout, mais bon, et puis après, mettre les deux intelligences, et il paraîtrait que il y a Istem, je crois, je peux me tromper, DG à Istem, quelque chose comme ça, il aurait lu aussi eu de éléments pour la Corona. Omoni, docteur Mouyembe, je ne doute pas la capacité là. Très bien. C'est déjà bien. Mais la zone où on a le docteur Mouyembe, ça s'y. La zone où on se référer à domaine à l'engagement, à football. Docteur Mouyembe, ça s'y. Docteur Mouyembe, ça quoi Morgan Clapp. Ça quoi Frank Richard Bauer. Donc, il y a qui est le mot où est Vanda. Stratégie, mon bâti en place est Vanda. Mais tu as vu que le mot où est c'est ça aussi. Donc, il faut que nous soyons comprendre que même dans le domaine, il faut que nous soyons passés. Si on passe flambeauté, donc en tout cas, il faut que. Mais pourquoi vous voulez faire passer le docteur Mouyembe flambeau alors qu'il n'est pas fatigué? Ma preuve est d'avoir qu'il est fatigué. Il est fatigué. Non. En plus, soit de l'âge, docteur Mouyembe, mais la médecine, c'est pas comme ça avec l'âge. Non, la plus. La médecine, c'est le contraire. Tant il y a recherche. Docteur Mouyembe, en retard. Docteur Mouyembe, en retard, recherche sur toi. Mais est-ce que vous allez kinaï? Parce que là, c'est, je ne veux pas dire que c'est trop dire. Mais est-ce que tu as été avec Mouyembe, en tant que journaliste? Est-ce que Benga Mouyembe déjà quelque part, pour Benga, beaucoup de kinaï, pour Benga, pour évaluer mes taux de travail? Je crois que. Toi, Miko, là, il faut faire très attention. Ce sont des gens qui travaillent qui n'ont pas permis. Hein. Je crois que. Là, parmi les journalistes, nous avons trop en contact avec ma médecin équipe de riposte. Mais il est mouillé, mais il est mouillé. Pour comprendre, nous sommes allés au salon. Même à mon temps, nous avons constaté que nous avons un bon salon à Gombe. Au moins, nous avons prélevé sur la température. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Mouyembe? Mouyembe n'a rien à voir, ça c'est un système qui a un problème. Non, mais c'est la responsabilité. Non, mais c'est pas Mouyembe qui décide sur le matériel. Lui, il n'est pas là, il est un épidémiologiste. Il y a technique qui a pas été. C'est peut-être ça aussi. On a des éléments moqués par rapport à Moussa Lobosa. On a 4 communes. On a des communes qui sont confinées. Si on a des médecins, on a des gens au-delà de ce que nous avons. Dans le niveau de recherche, beaucoup de WAP, ils sont malheureux. Plus, on a des gens qui sont là. OMS a fait le traitement. Pourtant, il faut que l'on ait une intelligence d'abysse. Tout le monde a proposé. Tout le monde a dit qu'il y a une équipe de la faculté polytechnique. On a dit qu'il y a un respirateur. Ce qui est le Rabongo, est-ce qu'il faut que l'OMS nous tape sa mise autorisation pour toi utiliser ou encore et bon, tout ça la test en awa. On est d'accord sur la question, mais moi je connais l'impression. Test en awa. Si on saute au Kenya, il y a déjà au Congo, on va proposer ma cam. Au moins, il y a docteur Jérôme. Avant que ça va m'a quelle il est qui awa. Mais il y a corona, il y a pas de corona. Non, corona est bandit. D'accord. Tant que corona est bandit, les messieurs ont envoyé correspondance. Ah, bota l'artemis, c'est là. Si tu as associé à tel produit, il y a ma casse contre le corona. Et il y a qui awa. Mais je vais vendre les gens. Banane. Je vais se faire la copre en beaucoup. Moi, je vais demander au chef de l'État. Après, nous sommes à 100 jours. Ceux qui ont l'équipe dans ma vague, laissez de jeter un coup d'œil dans ma cambouille. Je suis à ma cambouille. Il y a la COVID-19. Au moins, on avait battu Bélé, bon, c'est un peu dans mon âge, on a contracté. Non, mais là, je n'ai rien à voir avec l'infraction. Somme dans cette infraction, par gagner. Voilà, dans le baloua, africain, c'est vrai, je les avais, mais il y a mon mérite à Moutou. Ça, dans la moque, il y a Moutou. Tu parles de qui exactement? Attends, comment Moutou avait mérite à Moutou? Tu dois avoir un sérieux problème avec. Non. Je comprends, hein. Moutou, ça, dans la moque, il faut te battre là. Mais tant que des gens proposent ça, moi, je rappelle, deuxième jour après avoir retenu le premier cas,
na Kinshasa. Un groupe de scientifiques dans le Lubumbashi Université de Lubumbashi, c'est qui proposition pour un traitement. Pourquoi pas pour ça nous recours. Il faut poser la carte à l'OMS. Moi je me dis, OMS est une organisation par commerçant. Il faut tout ça nous de côté par l'organisation de la nation. Si on a des années, parce que si on a des OMS, c'est ça même le point de vue de l'OMS, c'est contraire à la point de vue à Didier Raoult. Est-ce qu'il faut continuer qu'on a des OMS? Si on a climat, c'est un élément moins important que pour combattre le coronavirus. Or c'est faux. Le climat, c'est un élément important pour la combattre. Tout le monde sait que le climat est déterminant même pour la vie, l'épidémie, ainsi de suite. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je suis d'accord avec toi sur la question. Je ne comprends pas pourquoi et puis pourquoi virus égo se comportait de la même manière dans l'Orient, de la même manière en Occident, de la même manière. C'est pas possible, cette histoire. Moi, je faisais foi dans Mouyembe. J'ai une formation en communication. Il y a des dits et des non-dits. Tant que Mouyembe, il y a des députés. C'est-à-dire, il y a des Congolais. Il y a des non-dits, il y a des Congolais. Je suis obligé d'avoir des retenues parce que régie n'a organisation morobo. La question sur la députée, tu comprendre. Non mais c'est tout à fait normal, non? Le Congo a ratifié. Est-ce que c'est Mouyembe ou c'est le Congo, le pays qui a ratifié la OMS? Azobe est allé sur le moto moto par le bagarre, na sida tout na malade, morobo photo, tu comprendre te. Mais ça veut il faut azali le bossa représentant du peuple. Il faut savoir que non, on est malade même la niveau dans le temps pour la boue boue. Tu as trop que ne peut aller cambouya climat cause la boue. Même la climat docteur Mouyembe na bossa ba. La députée boue climat c'est l'autre. Si on a le message, on a la sensibilisation. C'est important dans ma propos. Voilà, au climat, ça n'a que l'autre. Oh, c'est faux! C'est faux! Surtout continuer le voilà. Mais est-ce que tu opposes à l'argumentaire Yamou Yembe, l'argumentaire d'un autre scientifique? Parce que c'est comme ça. Yoda, on a communicologue. On a communication. Mou Yembe, il est à sali médecine. Ça veut dire oui, ça veut dire que tu ne peux pas contredire ma point de vue naïe. Car bon, il faut opposer ma point de vue naïe, ma point de vue à médecin Moussous. Peut-être deux ou trois médecins, s'ils disent le contraire, il y a Mouyembe. On dirait qu'il y a Mouyembe, il ne peut pas toujours avoir raison. Mais toi, tu opposes Mouyembe à qui? À quel argumentaire? Je prends Didier Raoult. Okay. Parce que Mouyembe dit que le climat n'a aucun effet. Didier Raoult dit le contraire. Or, présentement, Moutassel, ma recherche est belée autour de la coronavirus de Didier Raoult. Donc, ça, on a comme on a que le docteur Mouyembe régit. Et puis vous rappelez que Didier Mouyembe, pardon, docteur Mouyembe, il a quand même dans le carcan à OMS, c'est vrai, mais alors que Didier Raoult est isolé, il est un peu indépendant, on va dire ça. C'est ça aussi, docteur Mouyembe, il a la clôture, même si il y a une vraie information, ce qui m'a passé avant, il n'est rien. C'est ça aussi le problème. On est tous d'accord avec toi, parce que moi aussi, l'OMS, je n'ai pas beaucoup de confiance dans l'OMS. Bon, ce qui est vrai, c'est que le dossier, il y a Corona, ce sera un très grand dossier, ce que nous demandons tous, c'est ça que tout le monde un peu coévolué. Mais je dois rappeler quand même que tout ça, 100 millions d'habitants, jusqu'à aujourd'hui, nous ne comptons que 500 cas. Alors que les petits. 500 cas, 500 cas, moi, je ne crois pas à ça, parce que vous avez 500 cas. De l'on a les 30 décès. C'est comme la 470. C'est les 60 guéris. Même en termes de communication, ça fait très mal. Il faut pas. En fait, lorsqu'on dit 5 sakas, il faut passer à la réduction. Et puis, après, si on dit qu'il y a 5 sakas, ça, quel objectif là, non, l'objectif, c'est qu'il y a 500 cas oui. Où il a déjà confirmé Covid. Oui. Mais dans 500 cas, il a confirmé Covid. Il y a 30 décès. 30 décès, il a confirmé Covid. Parce qu'il a confié déjà. À mon entendement. On va couper déjà. On va nous faire un journaliste. On ne peut plus le compter, on va couper déjà. 60, on ne peut plus le compter parce qu'il va biquer déjà. Alors, 350, on a où va dans l'évolution. Je ne comprends plus rien, moi. Ah, non, c'est vrai, je ne comprends plus moi aussi. Mais je crois qu'il faut peut-être vous faire comprendre sur la question. Alors, très bien. Mais alors, le dossier et l'enseignement, Sigo, tu as combien de niveaux? Covid et Bétibissou, donc pas d'enseignement aujourd'hui, pas d'école. Quelle forme d'enseignement? Tous les autres qui n'avaient pas, puis n'auraient eu qu'au fil de midi, Azab ambassadeur, je vais dire ça. Il y a une application. Mais est-ce que vous avez pensé à tout ça, au nombre d'écoles, aux matières données, aux mégas, à la distribution? Je veux dire, le terme exact, Zali. Il y a pénétration, il y a Internet dans ma famille. Est-ce que vous avez pensé à tout ça avant d'amener une application? D'abord, dans la dernière question, j'ai vu que ma tête a pris le premier ministre en abandonnant le mot bancarisation. C'est vrai qu'il y a deux buts. Je crois que Yopo critique. C'est
Il est dans la toujours dans la banque. Est-ce que la banque a Ah, place à Balouba. Place à Balouba. Banque de Kassongolunda. Trésor, beaucoup d'habitude, c'est un problème. Non, Balouba de Kassongolunda. Ok, continuez. Banque de Kassongolunda, est-ce que banque de Louise, est-ce que banque de Mayombe, ou de côté de la materne? Je crois que nous sommes. Mais je crois que le prochain matin, il est en 2014, hein, si j'ai bon mémoire. Et là, 6 ans après, il faut peut-être tout reconnaître qu'il y a eu un grand travail et le bah, résultat dans les années. Dans un deuxième exemple, quand on va dire résultat, il y a examen d'état dans les réseaux sociaux. La première année, on va dire que les réseaux sociaux, on va dire que le diplôme, l'inspection, le diplôme, c'est pour que je quitte. Les réseaux sociaux, c'est là que ça a été vraiment raté. Mais après, les lieux, comment ça a eu moi, dans les réseaux sociaux, à quoi ça a été l'inspection? Ou dans les réseaux sociaux, à quoi ça a été l'inspection? Que au diplôme, et comment on a. Donc, il faut commencer quelque part. Certes, il y a un problème, il y a non seulement il y a pénétration, il y a Internet, mais utilisation, il y a téléphone. Parce qu'on n'a pas quoi sous le téléphone, ils ont un mix de l'élo. On a des évidences de rouge ou en galangoté. Mais il faut commencer quelque part. Commencer quelque part en l'élo. Et puis, COVID-19 est une occasion, il y a un banda quelque part. Est-ce qu'il faut tirer la caca dans l'enseignement archaïque, ou tout ça, depuis 1960? Est-ce qu'il faut tirer la caca dans l'élo? Je crois que non. Il faut tirer la caca dans l'élo, on a. Sur le COVID-19, il faut que 2 ans. Donc, on a été pendant 2 ans. Donc, il faut que tu aies un diplôme pour que tu aies un diplôme. Il faut que tu aies une licence. Donc, il faut que tu aies 2 ans. Si tu aies un diplôme, tu aies une lecture. Il y a un premier ministre français. Il faut que tu aies un diplôme. Donc, tu aies un diplôme. Tu aies un diplôme. Tu aies un diplôme. C'est pourquoi tu aies un diplôme. Je crois que tu aies un diplôme. Tu aies un diplôme. Balancer la rabisota, mais ça joue à l'ambassadeur, la mission qu'on fait l'homme. Tout ce qu'on a dit, c'est que la nouvelle technologie de l'information, tu as vu que ça l'est pour que tu aies un temps d'enseignement. C'est-à-dire, peut-être que ça l'est parce que tu as consommé un mois ou presque 2 mois déjà. Presque 2 mois. Donc, on va voir un an. Or, en année scolaire 2019-2020, on a eu déjà consommé 150 jours sur 180, ils ont prévu pour l'année. Donc, c'est qu'on a 30 jours. Mais on a 30 jours, voilà, sans compter les examens, ils ont la matière qui est prévue pour les 30 jours. Parce que moi, dans ma ciné, je vais avoir là-bas la moyenne. Donc, on va passer dans deux semestres, dans les 4 fils. Ce que moi, je vais avoir un problème, c'est que c'est la moyenne. Et pour la matière, il y a 30 jours, on va récupérer en une dingue. La suppléance? Ils peuvent le récupérer la suppléance une fois qu'il va passer. Ouais. Les matières qui étaient au Tikalaki, oui, bah, non, même pas. En fait, moi, je me disais que, au lieu de réduire aux vacances, je pensais même à ça. Je pensais à la suppression même des vacances. Okay. Bah, supprimer vacances, le temps va continuer à diminuer. Mais c'est limité. On peut commencer les cours, mais moi, non, au moins, sur qu'une est la quatrième. Les matières, on rattrape la troisième. On rattrape un au Kuna. Au Bandi, on a la quatrième en complément. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a 4e, comment on va faire pour... Exactement. Donc, exactement. Peut-être qu'il faut juste des heures, peut-être que classe ici, on a 12 heures. On a un automatisme, par exemple, au lieu de 12 heures, ici, il a 16 heures pendant une période. Oui, donc je crois qu'il faut étudier. Ça va paramètre, c'est important. Il faut étudier ça, exactement. C'est pourquoi tu as dit que tu as profité de l'eau pour que tu lances. Produit moi c'est qu'un secteur enseignement. Produit vous allez e-classe donc e-classe RDC. Et la school là, school T, il y a des gens comme Pascal Kaniki, il y a pas ça. Non. Là où il y a enseignement ligne ça moins bien. Ça l'arrange. Mais c'est la seule différence que nous avons la matière morote. Je crois que tout n'est que surtout la matière morote. Tout aura la tableau moro virtuel. Oyo enseignant il y a école X à quoi reposer. Alors, on va poster en matière. Donc, tout dans la matière à ta mort. Tout dans le tableau virtuel. Donc, matière, jusque-là, il y a ministère. Mais c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas de contraintes. Comment on va travailler dans papa naïe, dans cours, on travailler dans oncle naïe, bah, examination, oui, comment ça va se passer? Je vois que vendredi, on a ça là, essai, il y a un élève à collège de Nikia. On a 4e, je crois, 4e pédage, je crois. Vraiment, que ce mois dans salle interro, parents moi a dicté exacte. Pourquoi? Moi a soufflé quelque chose parce que au salle interro la vidéoconférence. Ah mais vidéoconférence, ça demande des mégas. Au salle interro, ça demande des mégas, ça demande des gigas avec la connexion. Si ça demande des mégas, ça demande des gigas, mais rôle là, le camarade par exemple, pour la question, rôle là, on m'invite.
qu'on a Kinshasa au rôle de la communauté. Pourquoi? Parce que tout le monde a méga à 0.5 au sein de la groupe pendant une semaine. Est-ce que vous imaginez que pourquoi tu as le téléphone dans le haut dans le Mais c'est extrêmement épuisant, c'est extrêmement difficile. C'est à peine que vous vous entendez, ça dépend, heure, là, temps. On habite tous dans un PP, tous dans un anime, mais moi, on est bloqué, on est Canal Plus. Son PP est bloqué, donc interruption. Les alliés, connexion internet, certes, les alliés, outils, beaucoup importants dans le cadre de projet. Ouais. Mais je crois que, déjà, tout ça, là, on appelle vidéo. Dans mon nom, chef de l'État, conseil des ministres, à celle-là, on a vidéoconférence. Et ça, donc, on est chef de l'État dans le cadre de l'État, ça bannit déjà quelque part. Donc, on a un exemple, un chef de l'État comme un gros, c'est plutôt Kenya. Donc, si tu as l'introduction de la vidéoconférence, pour les attaques à tricher. Ça, c'est un élément important. Père Roté, maintenant c'est ma caméra. Hein? Hein? Père Roté, maintenant c'est ma caméra, bon, quel est le système. On va voir le système de. Enseignant, c'est bien. C'est Yaya. Enseignant, en plus, enseignant, il y a un niveau, il y a moins. Ok. C'est-à-dire, si tu as l'introduction de la vidéoconférence, classe et à première primaire, ils ont même enseignant dans le Bango parce qu'ils ont déjà enseignant sur un niveau. Et d'abord, école primaire, tu école secondaire, tu pour un niveau Nios. Donc, niveau Nios, c'est l'université. Mais pour un début, tu as dit, dans le niveau, il y a école primaire dans secondaire. D'accord. Alors, bah, on s'enregistre dans l'école en fonction. Il y a les écoles. C'est l'école qui s'enregistre en application et de ce fait enregistrer par élève, Nyoso, ou bien ce sont les élèves qui s'enregistrent eux-mêmes dans l'école, ou bien ils sont dans. Non, déjà, les élèves vont changer l'école. Ok. Déjà, les élèves vont changer l'école. Les élèves vont toujours dans l'école. Donc, école. C'est l'école qui s'enregistre. L'école va s'enregistrer, mais bénédiction à ministère, et ça, oui. Parce que dans le ministère, au niveau inspection générale, tu as aussi poussé dans les solos. Bénédiction ministère. Si tu as une bénédiction ministère, tu as une pourquoi. Donc, l'objet, tu as déjà les camps. Tu as dit en gros. Vous êtes d'accord. Vous êtes à niveau 1. Vous êtes à niveau 1. Si tu as une bénédiction ministère, tu as une bénédiction ministère. 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 Alors, est-ce que vous alourdir machine, vous alourdir serveur? Parce que est-ce que vous imaginez le nombre d'enfants qu'on a? On a plus de 20 millions d'enfants, il paraîtrait. 22 millions. Hein, 22 millions d'enfants. Ouais. Est-ce que vous imaginez que la machine va être alourdie? Le serveur. Je crois aussi que toi et Bélé dans ma téléphone, tu utilises ma téléphone et elle utilise la machine de la minguité. Donc, ça peut régler quoi. Bisous, madame, tu sais, la téléphone, quand on a eu un peu de temps, si on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un téléphone. Au téléphone, ça a fonctionné, Bélé, on a eu un peu de temps. Mais on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un téléphone, on a eu un téléphone, on a eu un peu de téléphone. Donc, au niveau de la téléphone, on a eu un peu de temps, on a eu un téléphone. On a eu 30 minutes. Mais on ressent la téléphone, on ressent 30 minutes. Alors donc, moi, si je... la facilité à l'adaptation. Alors donc, je comprends que. Est-ce que c'est toutes les écoles qui seront concernées ou une partie d'école, c'est des écoles seulement? Sauf toi, dans le ministère, c'est parce que toutes les écoles vont la concerner. La concernée. Donc, le cours va commencer à se donner quand? Et en même heure? 4 heures, 5 heures, 6 heures, comme toujours? De 7 heures à 12 heures? Wana. Élément européen, ça m'a de commun accord avec l'inspection générale et le ministère PST. Okay. Parce qu'il faut goûter à la paix. Moi, on a une ambiance, il y a classe. Normal. Parce que moi, on a une paix, déjà, on a sali pratiquement 2 mois, on a raison, on a ma camarade, on a été sur la moni, on a été et qu'on retenir, on a été. Mais il faut goûter à la paix, timing et rétention, et que belé, parce que l'équipe belé et rue au Bomaye. Distraction au côté de la moto. Oui, et puis le téléphone peut se décharger, oui, il y a beaucoup de choses. Les éléments, surtout timing, vous avez décidé dans le ministère. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais avant de terminer, est-ce que interrogation européenne, ça m'a devoir européen, ça m'a. Interrogation européenne, ça m'a devoir européen, ça m'a examen même au salaire. Liste des bavards, puis vous allez. La liste des bavards. Vous t'assurez, on va déranger. On va déranger, on va s'en rater toujours. Et quand ça arrive, il y a moins de.
Moi, nous sommes des bandits à rouler, comment ça va chez toi? Comment ça va chez toi? Ouais, il nous faut pour attacher. On va faire ma pause. Ouais, dans mon sport, ma sanction, voilà. En 6 ans, on t'a dit, il y a toujours la voix à mon rôle. On sera monde qui a mis les mots, il faut comprendre. Mais le Congolais, on va faire un Angola. Le Congolais, on va faire un Angola. Maintenant, on a un système congolais. Parce que l'examen qu'on a, Merci beaucoup, Trésor Kalafa. Il y a beaucoup de gens sur l'enseignement. Moi, je dis merci beaucoup. C'est tellement bien. Il y a tout ça dans ta émission facile. Non, non. Tu as vu que vous sentez que les alliés, les 30 ans, ils ont fait de l'enseignement. Oui. Si on a besoin de payer ça, moins béni. Oh, l'État, c'est peut-être un comité. Si on a un contre, le député va toucher à 13 000. Moi, dans ça, il y a 13 000, ça a 4 000. Donc, on va recevoir le député comme le droit dans la période de la transition, 1 500 $. Et bien, les société congolaise au Bakouan, comme nous sommes en cas de politique, famille nous sommes d'accord, nous sommes en cas de politique là-bas. Comme si les secteurs étaient mieux dans le Congo de la politique. Or, M. Touyebi, la politique va côté en haut, non pas pour nous comme un bon, mais la passion est en bon. C'est-à-dire que la salle est en bon, c'est-à-dire que la salle est en bon. C'est ce qu'on a vu. Le journalisme, ce n'est pas un métier qui t'enrichit. Oui. Ils ont permis, ils ont passion, mon robot. Ouais. Donc le gars là, on est formé, bah tu mets les lots, on sentit, je sais, à ce moment calculer, un gars là, la bouenga là, tu as des longues na katia musa na komina, les gens n'ont pas la politique. Donc, bah c'est la biseau, bah c'est la musa na makasi et tout le balabango merci, tout saluer le chef de l'État parce que au moins les gambas gratuité, tout le balabango les gambas gratuité. Tant que bah non, bah est-ce que yo ni mal, heureux d'avoir bah tout le monde refusait, mais aujourd'hui. L'année prochaine, c'est meilleur que Oyo. Parce que la réalité, nous devons comprendre déjà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours commencer quelque part. Tu as même. Tu as même. Je crois que de grandes réformes sont annoncées. Je crois qu'il est temps de revenir sur les bases pour nous faire avancer Makambo. Alors, c'est vrai, Trésor, on a pris beaucoup de temps pour parler de la question. Mais moi, je voudrais que tout continue très prochainement, pourquoi pas, pour revenir sur les très grands dossiers des enseignants. Parce qu'il faudrait en parler, les médecins, les enseignants, personne ne parle d'eux. Pourtant, le plus grand fléau. C'est l'ignorance. Or, il n'y a pas de connaissance sans enseignement. Le Covid, c'est vrai, mais mon cerveau peut aller beaucoup plus dangereux. Tu peux si ma valeur dans la médecine, mais nos enseignants, ceux-là qui nous ont montré à écrire, à raisonner et à parler, tu peux si mon Congo. Je crois qu'il est temps de réfléchir sur ça aussi. Merci Ming en tout cas. Merci. C'était un plaisir. Merci Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. C'était un grand plaisir de discuter avec un ami aussi intelligent, Trésor Kalafai. Tu es un peu Merci Navato Alanda Ibisson. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Chers compatriotes, dans les moments difficiles, l'humain trouve toujours les moyens, les astuces pour s'en sortir. Aujourd'hui, toutes les activités sont en stand-by à cause de la pandémie coronavirus. Les usines ne fonctionnent pas normalement, les entreprises sont presque en arrêt. C'est ainsi qu'en Occident, où ils ont les moyens, les élèves, les étudiants, les collégiens, les lycéens, les universitaires apprennent en ligne grâce à Internet.
C'est ainsi que, concernant les études de nos enfants, qui sont donc obligés, compte tenu du confinement, de rester avec les parents à la maison, des compatriotes congolais ont pensé à une plateforme Internet. Grâce à laquelle les enfants peuvent continuer leurs études en ligne, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Cette plateforme permettra de faire passer les cours en ligne, faire suivre les devoirs et exercices, évaluation des travaux pratiques. C'est une opportunité à saisir. Cette plateforme permet à nos enfants, à tous nos enfants, élèves, étudiants, universitaires, de continuer d'apprendre leurs cours comme s'ils étaient à l'école. Cette plateforme est un chef-d'œuvre qui permet vraiment à nos enfants, dans cette période difficile, de continuer d'être des élèves, des étudiants, des universitaires. Professeurs et étudiants peuvent donc échanger questions et réponses. Les élèves, les étudiants, donc, peuvent avoir toutes les explications comme s'ils étaient au même endroit avec leur professeur. Un autre avantage de ce système est que le professeur peut enseigner aussi par le moyen de vidéoconférences. Nous demandons, nous souhaitons, nous implorons notre gouvernement de soutenir cette initiative appelée i-classerdc.com. C'est donc une opportunité pour que les parents et les dirigeants des écoles évitent une année scolaire blanche. Pas d'année blanche parce que mon avenir dépend de mes études. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir entrepreneur. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir médecin. Pas d'année blanche parce que j'aimerais devenir une infirmière. La gratuité de l'enseignement ensemble avec e-classerdc.com. L'école s'invite à mon domicile. e-classerdc.com. C'est vraiment la solution pour nos enfants. Pour toutes les informations, pour tous les renseignements, pour avoir toutes les certitudes, allez sur le site www.e-classerdc.com. Vous allez être élucidé. Pour toute information utile, le téléphone c'est le 00243 91 00 00 111. Merci de soutenir cette initiative magistrale, salutaire pour nos enfants.